tu veux mon conseil, largue ce gros tas de merde. On verra s'il aime toujours la solitude. Ouais, t'as peut-être raison. Bon, je ferais mieux d'y aller. Prends soin de toi. Allez, au les cœurs, chérie. Il y aura des jours meilleurs. Laisse surtout pas ces fumiers te marcher dessus. Alors, qu'est-ce que ça sera, chérie ? Surprenez-moi. Audacieux. Je te prépare la spécialité de la maison. V, t'es au bar ? Absolument. Je t'attends. Je te rejoindrai bientôt. Mais avant, faut que tu saches un truc. Ok. Quoi exactement ? Tu sais, c'est OP qui a mal tourné il y a 7 ans. Myers m'a laissé pour mort. En apparence, je m'étais vendu à Arasaka. J'ai jamais dit à Alex que c'était une couverture, alors ça pourrait être un peu tendu. Compris. Elle va sûrement nous dire d'aller nous faire foutre. Un truc du genre. J'arrive près de l'entrée. Et voilà. À ta santé, mon mignon. Merci. C'est la première fois que tu viens ici, pas vrai? T'es nouveau à Dogtown? Oh putain, c'est pas vrai. Je cherche une certaine Alex. C'est ça, mon cul, ouais. Alors, elle est pas là? Tu fais partie de la toute petite liste de gens qu'on refuse de servir ici. Fais demi-tour et fous-moi le camp d'ici. Je vais prendre un gin tonic. Un double. Il est avec moi. T'es un putain de culot. Très bien, brave Jean. Je suis désolé, mais on doit fermer pour aujourd'hui. Je bougerai pas de là, putain. Oh putain, t'es sérieuse ? Alex. Sept putains d'années dans ce trou de merde. Tout ça à cause de toi, Solomon Reed. Oh putain. Sol a pas envie de comprendre, mais peut-être que toi, oui. Hé, putain de merde. Relax, on veut juste discuter. La présidente Myers nous envoie. On est à Dogtown pour une mission. Avec lui ? Pour info, il y a 7 ans, ce fumier a planté un couteau dans le dos de toute non, son équipe. Il y a 7 ans, on m'a ordonné d'aller au tapis. Et toi, on t'a servi la version officielle. Il fallait que je prenne pour tout le monde. Il n'y avait pas d'autre choix. Et tu penses que je vais te croire ? Juste comme ça. Dégagez ! Hors de ma vue, tous les deux ! Ça te dit quelque chose ? On tient nos ordres de la présidente. Et pour le moment, c'est tout ce qui devrait compter pour toi. Ça a compté. Pendant 7 ans. Mais maintenant... Pas de soucis. Prends le temps. Fais chier ! J'ai besoin d'une clope. Je vais tenter ma chance. Laisse-moi une minute. Tu vas essayer de lui parler. Faut bien que quelqu'un le fasse, et il vaut mieux que ce soit moi. Tu pouvais pas attendre que j'ai fini. Au fait, je m'appelle V. Alex. Alors, les NUSA nous refoutent le nez dans la merde, hein ? Une nouvelle mission ? Ouais, j'en ai bien peur. Eh ben vas-y, chante-moi ta chanson.
Un agent de la FIA est porté disparu. Reed et moi, on a pour mission de le retrouver. Et là, d'un coup, la FIA se souvient de mon existence. Tu connais Dogtown bien mieux que n'importe lequel de leurs agents. Leurs agents? Alors t'es pas de la FIA? Je suis curieuse. Ils ont quoi sur toi? Je bosse juste sur cette OP et après je me casse. Je compterai pas sur une OP rapide. Regarde-moi. Ça fait 7 ans que je suis sur la même putain de mission. Je surveille les revendeurs d'armes et de tech du coin depuis la guerre. C'est ma seule et unique OP. Génial. Ouais. Ben moi, il me reste pas autant de temps. Ça commence toujours pareil. Tu leur rends un service, ils t'en promettent un en retour. Parfois, ils tiennent même parole. Et puis un jour, ils te clouent les couilles au mur. Cette OP, elle compte tant que ça pour toi? Si oui, alors t'attends clairement quelque chose en retour. Reste à savoir quoi. La FIA et moi, on recherche la même runner. Nos intérêts sont liés, alors je suis devenu l'agent V. D'accord. Et la consolarde, c'est? Songbird. Ah, putain de merde. Va me falloir plus qu'une clope pour digérer ça. Elle aussi, elle fait partie de ta petite liste de gens que tu refuses de servir? Il t'a jamais raconté toute l'histoire, pas vrai? Quelle histoire? Il y a une OP qui est partie en couille il y a 7 ans. Résultat, Reed a dû disparaître, et moi je me suis retrouvée coincée ici. La liste des agents de cette OP, Reed, Songbird et moi. T'en savais rien, pas vrai? Putain, génial. Dis-moi, tu crois aux coïncidences ou... Oh, et puis merde, au destin. Parce que si tu refous les mêmes variables dans une équation donnée, eh ben, surprise, t'obtiendras toujours le même putain de résultat. Bon, vous avez de la chance, toi et ce traître au regard de chien battu, parce que j'ai la mauvaise habitude de répéter les mêmes foutues erreurs. Mais j'ai mes conditions. Qu'est-ce que tu veux? Monaco. Je veux brûler de la gomme sur la Côte d'Azur et boire du champagne sur un yacht avec une putain de duchesse. Je veux une vraie retraite d'espion. Une mission diplomatique dans un endroit chaud et beau à en crever, où les fruits sont juteux à souhait, et où j'ai plus besoin d'aller me faire chier sur le terrain. Tu crois que tu peux m'avoir ça? L'ordre de mission provient de la présidente des NUSA, alors j'imagine. Premius, retourne à l'intérieur et dis-lui que je marche. Il va me falloir plus de nicotine avant de pouvoir le regarder dans les yeux. Merci, Alex. Alors? Elle hésiterait pas à se couper une jambe pour se tirer d'ici. J'en doute pas une seconde, elle a toujours été têtue. Elle veut une retraite d'espion, dans un endroit Premius. Je dois pouvoir arranger ça. T'as intérêt, sinon tu peux dire adieu à sa confiance. Alors, Reed, il paraît que t'as besoin qu'on te tienne la main pour te faire découvrir le furoncle de Night City. Je suis venu te voir parce que j'ai confiance en toi, Alex. Si tu le dis. Ok, donc, il faut qu'on retrouve Songbird, si j'ai bien compris. Song est porté disparu, certainement ici, à Dogtown. On était reliés. Song s'est aventuré dans le cyberespace et on l'a attaqué. Il nous faut un runner, le genre qui passe tout son temps à analyser des chiers de données. T'as quelqu'un en tête? Wilkie Slider Laguerre. J'aurais dû m'en douter. Il nous a fait faux bond il y a un moment, mais Shea sera à creuser sa tanière. Alors, on va lui rendre une petite visite?
Le repère de Slider est dans un spa semi-fini à Luxor Heights. Je t'envoie les coordonnées dans 2 secondes. On se retrouve là-bas. Ça marche. Essayez juste de pas vous arracher les yeux. J'ai besoin de vous deux en pleine santé. Alors ? T'es où ? Cette arme, là-bas. Après tout, soyez ferme. Équipez-vous maintenant. Ça t'amuse de faire chier le monde ? Aux dernières nouvelles, il n'y a toujours pas de columbarium à Dogtown. Le seul problème dans tout ça, c'est que les morts s'en branlent des fleurs et des bougies. Ils sont morts. Allez, j'en allumerai bien une pour toi, mais je suis au cours de bouger. Bah merde, peut-être que moi aussi je suis sentimental, finalement. Quand je vois ces deux-là, j'ai vécu un truc similaire, moi aussi. Après toutes ces années, la seule chose qui relie encore Alex et Reed, c'est leur passé et leur employeur. Pour moi, c'est évident. Ce qui reste de leur amitié va finir par s'éteindre. Il serait resté Choum s'il lui avait dit la vérité, sur leur OP plutôt. L'amitié et le devoir, c'est pas incompatible. Si, justement. Réfléchis. Combien de fois t'as besoin de te faire baiser pour perdre confiance en quelqu'un ? Tu marques un point, Johnny. Ouais. Remplace quelqu'un par pays. Combien de fois tu dois accepter de te faire canarder pour ces enculés qui te font des promesses en l'air? Pense-y quand tu reverras ces deux-là. À tous les résidents, ici Captain Zed. Des agents et les meilleurs pays de Doctor. T'as pas attendu trop longtemps? Ben, vous deviez avoir un tas de trucs à vous dire, Alex et toi. Ouais. Tout est arrangé maintenant. Allez, on y va. Pas de temps à perdre. Il y a des types qui montent la garde. Étonnant. Je doute qu'ils nous laissent entrer tranquillement. Y a pas à se prendre la tête. On brise quelques crânes et on entre. Je préférerais éviter le carnage. Tu sais quoi ? Tends l'oreille. Si je dis Bushido, tu passes à l'attaque.
Je suis à sec. Faut que je recharge. Pour libérer les démons. Le serveur. Faut qu'on le détruise. Tire sur les ports d'extraction. Pas mal, pas mal. Le serveur refroidit. Le port est grand ouvert. Ça, c'est du professionnalisme. Tourez l'embus. Ce sera vite réglé. Concentre tes tirs sur les bancs ouverts. Continue comme ça. Le port est grand ouvert. Aide-moi à détruire les autres. Recharge. Ils l'ont cherché, c'est eux qui ont commencé. Putain. Solomon Reed. Tu m'avais vraiment pas manqué, tu sais. Et toi, tu as causé la mort de maman Brigitte. C'est aussi le sort que tu me réserves. On est là pour passer un marché, c'est tout. De fausses promesses et une balle en pleine tête quand vous aurez décidé que vous avez plus besoin de moi. J'ai connu de pauvres âmes qui ont essayé de passer un marché avec Solomon Reed. Tu te souviens d'eux, agent Reed? Si l'une des deux parties est dos au mur, c'est plus de la négociation, c'est du chantage. J'en ai absolument rien à foutre de tes états d'âme. Alors maintenant, arrête tes conneries et écoute ce qu'on a dit. On a besoin d'infos. Et j'ai entendu dire que tu pourrais les obtenir. Moi? Je suis aveugle. Je vois rien et je sais rien. Ma vision se limite qu'au cyberespace. Ça tombe bien. Il nous faut justement quelqu'un qui connaît bien le cyberespace et qui s'y perdra pas. Donc, dis-moi ça. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Peu de temps après le crash de SF1, une runner a été attaquée sur le net. Cette attaque a coupé notre lien. Je dois la localiser au plus vite. Ah. Donc, tu veux une... J'ai une relique en mauvais état dans le crâne. C'est comme ça qu'elle a pris contact. Ça peut t'aider? Peut-être. Bon. J'imagine que j'ai pas le choix. Je ferai très attention. Promis. Le quitte pas du regard, Reed. Bon, voyons voir ce qu'on a là. Je vois des traces, des fragments de données dans le cyberespace. Fou! Putain des maîtres! J'arrive pas à y croire. Vous êtes malade de venir me voir avec cette merde! Qu'est-ce que t'as vu? Le mur noir. Il n'apporte que la mort. Sois plus précis, Slider. Cette femme, tu savais qu'elle avait utilisé le protocole du mur noir pour se connecter à toi? Putain. Ça explique beaucoup de choses. Cette femme, c'est une vraie bombe à retardement. Une bombe nucléaire. Si elle explose, tout le monde part en fumée avec elle. Tout le monde. Mia Noir, c'est un barrage qui nous protège, qui sépare le monde civilisé de toutes les bêtes du cyberespace sauvage. Si
si votre bombe sur pâte fait un trou dans ce barrage, ça va causer une inondation. Les IA rebelles vont submerger le net et nous tous dans la foulée. Pour les IA de l'autre côté du mur noir, t'es rien de plus qu'un cafard, un ravette. C'est pour ça que Netwatch descend tous ceux qui menacent l'intégrité du mur noir. Raison de plus, l'ami, pour que tu rétablisses la connexion entre V et notre ami. T'es complètement fou! Eh ben, t'es de la fête maintenant. Bienvenue dans notre petite orgie. Maudit! C'est pas négociable, Slider. On doit la retrouver. Et puis, tant qu'elle est en cavale, Netwatch sent sa présence et la tienne par la même occasion. Alors, tu vas m'aider à nettoyer ce bordel et à effacer tout ce qui pourrait leur permettre de remonter jusqu'à toi et jusqu'à nous. Fais ça et on sera quitte. La FIA te laissera tranquille aussi. Merde. C'est mon jour de chance. C'est parti. Ensemble maintenant. Avec Alex aussi. J'ai du mal à croire qu'il soit là, mais. Songbird, je croyais t'avoir perdu. Il s'est passé quoi? Ce truc. Il a failli me griller la cervelle. C'est pas vraiment sûr, à ce qu'on m'a dit. Clairement pas. Je confirme. Écoute, V, j'ai pas beaucoup de temps. Les hommes de Hansen m'ont retrouvé après que j'ai réactivé le Chimera. Je suis pas en danger, pas tant que je reste à ma place et que je fais ce qu'il me dit. Il y a... Songbird. Il y a quelque chose. Tu vas bien? Ah non. Un mur noir. Le Black Surveyor. Hansen y organise gros stuff. Et t'inquiète pas, j'ai pas oublié ce que je t'avais promis. Débranche-le, Reed! Débranche Slider! Maintenant! C'est terminé, son cerveau a grillé. Slider. Il est mort à cause de nous. Il est mort, point barre. Je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que t'allais le buter de toute façon? Peu importe maintenant. Slider est mort, ce qui... Alors, Songbird, il lui est arrivé quoi? On était connectés et on a pu parler. Elle a l'air d'aller bien. Très bien. Tu me donneras les détails plus tard. Allez, on s'arrache. Reste sur tes gardes. Il y a peut-être encore des gars de Slider dans les parages. Prends un peu de repos, Slider. Charge!
Songbird, elle t'a dit quoi? Elle a utilisé le mur noir. Elle l'a même pas nié. Ça semblait normal pour elle. Il faut qu'on la trouve, et vite. Song a besoin de notre aide, Reed. Hansen l'a récupérée et la garde pour quelque chose. Bordel de merde. Le Black Sapphire. Elle a dit que Hansen y organisait une grosse fête. Si on y entre, elle nous trouvera. C'est juste là. Tu vois le plus grand des deux gratte-ciels? Celui qui a pas d'écran géant. C'est ça, le Black Sapphire. Un hôtel en devenir qui a fini en investissement foireux de plusieurs milliards d'édits. On peut pas y débarquer juste comme ça. Et on connaît personne du staff ou apparenté au staff qui... Alex et moi, on va passer en revue nos contacts. Fais pareil de ton côté. Je connais un fixeur dans le coin. Il se fait appeler Monsieur Hens. Vas-y, on te recontactera.